rajoutant un peu, je suis un peu gêné. Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, nous sommes de nuit. Quelle heure il est? Il est 22h24, on a fait 2 heures de cache-cache dans un parc. Comment on appelle ça? Un parc botanique? Un parc botanique, donc vous voyez, rempli de plantes. On est ici à Terra Botanica, c'est à Angers, donc c'est dans la zone. Hein, vous tapez Terra Botanica, de toute façon il y a le lien dans la description. Et bien le parc nous a ouvert ses portes gratuitement, et eux ils ont été super cool, donc juste pour les remercier, si vous habitez à Angers ou si vous passez dans le coin, venez faire un petit tour ici. On a fait ça dans des zones de 6 hectares, donc ça fait 6000 m², donc c'est vraiment, vraiment beaucoup trop grand. Et bien sûr, je ne suis pas tout seul, il y a des youtubeurs et il y a aussi l'équipe Unicorn. Ils sont présentés en vidéo, il y a tout leur Insta qui vont apparaître, donc s'il vous plaît, pour les remercier, allez les suivre, ils sont venus gratuitement. Profitez de la vidéo et tout de suite la présentation des membres de cette vidéo. Les règles sont simples, il s'agit des mêmes règles qu'un cache-cache. Voilà, bonne vidéo. Non, plus sérieusement, les équipes sont réparties en 5 équipes de 2, dont une équipe de chasseurs. Les chasseurs sont équipés de nerfs et ont pour mission de chercher et de tirer sur les cachets. S'ils parviennent à les toucher, les chassés rejoignent le camp des chasseurs dans le seul but de les aider à trouver les autres avec une lampe torche. Si un caché parvient à courir et à s'échapper sans être touché, libre à lui de retourner se cacher s'il n'est pas disqualifié. Que la partie commence. Ah oui, et cette vidéo était tournée avant que la vidéo dans le noir soit sortie. Donc du coup, j'ai bien eu vos conseils sur la caméra infrarouge, mais malheureusement, c'était un peu trop tard puisque cette vidéo était déjà tournée. Mais j'y pense, et pour les prochaines, il y aura sûrement une caméra infrarouge pour un projet un peu plus fou. Merci de me suivre et bonne vidéo. Et franchement, elle est trop ouf, je suis trop content. Merci, allez, c'est parti, go! Allez, bon courage, non mais vous vous venez aussi, hein. Ah ouais, merde. Les mecs restent là. Comment on fait pour savoir si c'est ça? Allez, putain. On va où, on va où? Je sais pas. Là, ok, on compte jusqu'à 100, là. Ok, vas-y. Bon bah, 1, 2, 3, 4, ça va être très long. Vas-y, on va parler dans une petite minute. Viens, contourne la serre. 11, 12, un petit tour du propriétaire. 13, ouais, carrément. 14, jolie plante. Non, il y a de l'eau, on va tomber. Back. Bonsoir. Contrôle d'identité. 40. 43. À peu près 36, je pense, 37, 38. Bah, franchement, je me serais bien mis là, sous le pont, mais c'est vraiment trop cramé, je pense. Ouais. C'est le premier truc qu'ils vont chercher. Après, j'avais une autre idée, en fait, c'est de s'accrocher ici, tu vois. Genre, en fait, tu te pends, entre guillemets. Enfin, tu te pends, voilà, quoi. Attends, pendant combien de temps aussi? Ouais, mais c'est ça, le truc, c'est qu'il faut tenir, quoi. Ouais, non, c'est un cul-de-sac, je crois. Il faut trouver un endroit sec, c'est ça le plus gros défi. Bah oui. Là. En vrai, moi j'ai vu 2-3 arbres dans lesquels on pourrait monter. Là-dedans, il y a quoi là? Il y a de la flotte. Je suis sûr, je suis en train de marcher sur des plantes ultra rares. Vas-y, viens, on monte là. On va tout en haut. Bon, on s'est mis derrière une espèce de quenouille géante. Mais moi, je suis pour qu'on se déplace après. Je suis pour qu'on... Il y a un moustique de merde. Putain, je me fais attaquer. Bon, j'arrête la lumière. 98, 99, 100. Allez, go. On y est. En vrai, on peut en trouver tellement facilement. Alors, enfin, peut-être que... Tu trouves? Bah, en fait, en vrai, si tu passes dans des... Si là, ils sont encore en train de se cacher, on voit des petites lumières bouger, en vrai, il y a moyen qu'on en trouve. Hein. Attends, mais c'est vrai que ça fait flipper, j'entends des petits bruits alors que je sais qu'il y a personne, mais... On n'est jamais passé par là. Qu'est-ce que c'est le mur de Berlin ici. Et du coup, les délimitations du terrain, on a le droit de se planquer dessus. Bah là, regarde. Oh, c'est rincé, mon gars. Vas-y, il faut faire monter dans l'arbre. Eh oh. Oh, là, par contre, le eh oh là. Attends, baisse-toi. On arrive. On va vous défoncer. Ils sont où, les loulous, là? Ils ont dit c'est bon. Non, déjà? Ouais. Oh, ils arrivent, gros. Attends, j'ai le temps, Ils sont là. Où ça là? Juste là. Bah voilà, je vais m'accepter un tournage avec Valentin. Je disais qu'il fallait pas accepter un tournage avec Valentin. On est derrière un pauvre buisson. En plus, il y a le mur blanc derrière nous. On va voir que nous depuis longtemps. On vient juste de sortir dans la végétation. Ils peuvent être n'importe où, même là-bas. Tu veux que j'y aille ou pas? Tu préfères que j'y aille? Couvre-moi au cas où. Non, juste des grenouilles. Non, je pense qu'ils sont partis bien plus loin. Je vois des lampes là-bas. Il y a une lampe, regarde, qui éclaire. Ouais. Je passe par la gauche au cas où. Ouais. Comme ça c'est bien, on ratisse la zone. J'emploie des mots vraiment comme si j'étais un professionnel alors que je suis vraiment que... Et reste. Il arrive. Plus gaffe, pas de blessé. Je crois qu'il s'arrête, il s'arrête. Viens, on se casse. Aïe,
c'est des ronces, ça. Attends, mec, je suis coincé dans les ronces. Oh, le mec, il y a des migales ici. Ah, c'est sûr. Et que c'est pas des... Mais c'est quoi, c'est un hérisson mort, ça? C'est un hérisson mort. Ah, c'est une pomme de terre. Et ce qui est horrible, c'est que potentiellement, il y a quelqu'un qui nous entend pas loin, là. Et s'il y a quelqu'un qui nous entend, fais un petit bruit. Trop tôt pour faire un petit trop bruit. Trop tôt. Je crois qu'il y a personne. Ah, c'est ça, vous êtes pas fair play, hein. Vous voyez pas, mais Valentin, il se rapproche. Mais le faisceau de lumière est tout proche, je vote qu'en fait. Putain, il s'éclaire de ouf. Non, c'est horrible, imagine tu vois une tête là-bas au fond. Hein. Ah, dans le marécage, ouais. Attends, mais c'est horrible, je sais même pas si c'est un animal ou si c'est quelqu'un d'humain que j'ai entendu là. Attends, non, en vrai, c'est sûr. Hey, y a quelqu'un là-bas. S'il y a quelqu'un là-bas, il va vite bouger, et on va le voir obligatoirement, c'est sûr. Gars, j'ai des crocodiles là-bas. Oh, dis donc, ouais, c'est pas... Oh, non, moi je veux pas. J'arrive. Oh non, non. Putain, j'ai entendu bouger là-bas. Mais ouais, mais moi aussi. C'est mort pour moi. Je vais courir. Pour l'instant, ils peuvent pas me voir. Ok, je sais pas si on m'entend. Je me sépare avec Ken Piche. J'étais juste ici depuis tout à l'heure. Juste ici, regardez. Il y a une petite butée. Et je m'étais caché dedans. J'étais couché dans la terre et ils sont passés juste à côté. Et là, du coup, j'en parle, mais je fais des signes. Je vais me rapprocher. Faut juste que je retrouve Ken Piche. Je me fais encercler. Papa, maman, vous regarderez pas cette vidéo. Parce que vous trouvez que les youtubeurs, c'est pas ouf. Mais c'est la fin pour moi. Ah, ah. Oh putain, ils étaient là. En face, là, ouais. Vas-y, cours. Ils sont vers la cabane. Là, il y en a. Oh putain. Oh putain. Vas-y, je le chope. Je peux l'avoir. J'arrive. Ah putain. Tu l'as shooté. Yes. Ouais. Parfait, ça. J'ai tout sorti. Magnifique. Oh, on a réussi à rattraper. On était tout seul par contre, parce que Valentin il a switch d'un coup et... Tirer une boîte enrhumée. C'est quoi le truc rouge qui... Oh putain, mais attends, il y a un truc rouge qui a bougé là. Attends, il y a clairement quelqu'un. Il y a quelqu'un qui bouge là-bas, une lumière. Il fait le tour, il fait le tour. Je retourne me cacher dans mon trou. Toi, va à droite, je vais à gauche. On est bien là. Quoi? On est bien là. Il est clairement derrière les arbres, il est là-bas au fond. T'as entendu du bruit là-bas? Ouais, ouais, non, mais je l'ai vu même. J'ai entendu le bug. Ils étaient juste derrière nous, derrière la butte qui est là. Là, ils ont encore attrapé quelqu'un qui est là-bas. Ils ont déjà attrapé deux. Nique sa mère. Coucou, coucou, coucou! Aou! Aou! Coucou, coucou! Oh merde, j'ai marché dans la bouse. Putain, je l'ai vu, j'ai vu une toute petite lumière. Eh, hey, t'es bloqué, mon pote! Je crois qu'ils vont avoir votre cœur. Tu l'as vu? Non, je crois que j'ai entendu du bruit, je vais sur la droite. Oui, 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 il y a la lumière qui bouge. Il court. Cours, petit lapin. Putain. Il court. Alors, notre équipe est la première éliminée. Je suis full déçu. Je suis acharné dessus. Alors? Oh mon gars, j'étais couché quand vous êtes passé tout à l'heure. Putain, j'ai vu juste un bip rouge et je me suis... Ah oh, putain, ça doit être les caméras de surveillance. La caméra, je le savais. Et ensuite, je t'ai vu bouger, enfin, j'ai eu le petit bip rouge, je m'en retiens. Ah, je m'étais mis en boule au moment où vous êtes passé à côté. Du coup, j'ai tellement la mort, je vais vous aider. Je pensais que le roche allait passer très tôt. Ce qui est horrible, c'est que là, tu sais qu'ils nous entendent et qu'ils sont juste à côté, là, ces fumiers. Faites du bruit, donnez un indice. Ils veulent rien donner, les bâtards. Vous êtes où, les lapins? Oh, les lapins. Mais c'est qui? Ils ont fait du bruit là? Ouais. Oh putain, donc vraiment il y en a un qui est là-bas. Alors là, mec, c'est bon, on va te retrouver! C'est bon! Je sens la trace! T'as amené des cartes? Bien fait, 6 ans. Je m'en crotte ma rame. Ouais, au fond. Il y en a un qui passe l'aspirateur dans les bois. J'ai l'impression d'être un sol. Les armes, c'est des nerfs. Rien à voir avec la guerre. Faut des soldats et t'as plus d'armes. Regarde dans Metal Gear Solid, t'arrives, t'es à poil, frère. Qui est bien en fait, j'aurais jamais pensé qu'il viendrait là directement. Non. Il y en a deux, mec. Ils sont trop marrants. Ouais, c'est son meilleur père. Oh, ah, les bâtards. Je vous ai trouvé. Bien joué, les mecs. Oh, vous auriez vu, j'ai tenté une contre ensuite. Avec qui? Je me suis fait shooter comme un lapin. Reste là! Je t'ai touché, mec, tu reviens! Tu veux que j'en remette une au cas où? Putain, il manque plus que. Bah, ouais. Je suis sûr qu'ils sont vers la serre. Qui? Tu les as entendus rigoler tout à l'heure? Ouais. Ils ont rigolé? Des... Ouais, ils sont par là-bas, ils sont par là-bas. Devant la serre, c'est sûr. Vous aidez?
Vous avez regardé là? Bah ici c'est là où il y avait votre cas et tout à l'heure, mais ils ont peut-être bougé vers là, hein, c'est possible. Bon, en dessous là vous avez regardé? En dessous non. Ils sont là! Oh, ils sont là, j'ai entendu! Ils sont là! Ils sont où? Ils sont là, ils étaient sous les strades! Ils font le tour du lac! Alors, bam! Bam! Touché, le petit Nico! Lui, il est touché ou pas? Ouais! Il en reste un encore là-bas? Il en reste plus qu'un! Lucas, il est parti comme une gazelle! Il est parti vers là, je sais pas où il est, mais il est parti là-bas! En fait, faut faire le tour! Il y en a un qui part à gauche, moi je pars à droite! Vas-y, j'ai avec toi! Bah Lucas, lève tes mains, c'est trop tard! C'est terminé, lève tes mains! Il va courir, je le vois! Oh là là! Ouais. Il est là! Mec, j'étais planté exactement là tout à l'heure. Ah ouais? Mais oui! Et ouais, ils m'ont aidé le début. On était juste à côté, on t'a entendu faire choper. C'est vrai? Ouais. On a tout suivi, on a suivi quand vous avez chopé Valentin. Et après, on était en mode, on a fait un vlog. Allez, on a joué à pied. On a même fait un chifouni, tout. On était au calme, bro, il manquait les bières. Pousse-toi, je passe à suite. Bah, sur moi, je veux bien là. Mais du coup, on est le dernier groupe là? Ouais, vous étiez les derniers. Oh! Bien joué, les mecs! Hein. En vrai, on a assuré. Putain, vous avez même pas tiré dessus. Ouais. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je vous invite tous, pour le bien de mes futurs projets, à acheter Unicorn, parce que j'ai décidé de faire de plus en plus de vidéos de BMX très poussées. Et en fait, un achat vous offre non seulement un pull de qualité, mais en plus, ça soutient des projets. Et quand vous allez voir les vidéos que je vais faire, vous allez dire « Oh, bah, j'ai bien fait de soutenir le projet, c'est un placement de produit personnel. » Ça n'a pas de sens, parce que c'est ma marque, mais tu comprends ce que je veux dire, toi? Je comprends parfaitement. Bon bah voilà, s'il a compris, vous avez compris aussi. Et franchement, c'est de la qualité. Hein. Et vous le dites beaucoup à le dire, donc c'est un peu menaçant, ça. Achetez Unicorn, salut. Il m'a forcé à dire ça. Allô. Excusez-moi, il m'a forcé à dire ça. Il m'a forcé. Oh mon gars, mec, j'ai trouvé une planque de fou, mon gars, regarde. Mais oui. Vas-y. V'là les migales qu'il y a, mon gars. Ah ouais, là, on laisse tomber, on joue pas là-bas. Mec, il y a un crabe là-bas, je suis sûr. Viens. Et du coup, j'en profite aussi pour remercier Terra Botanica. C'est tout le parc qui est ici. Alors là, c'est de nuit, vous ne voyez rien. On a l'impression que c'est Jurassic Park. Mais de jour, c'est ouf. Par exemple, là-bas, je sais qu'il y a une serre avec des papillons. Si vous n'avez pas peur des papillons, bah allez-y. Je sais que là-bas, il y a un rhinocéros en liberté. C'est une expérience de ouf en fait. Vous êtes lâché avec un rhinocéros. Non, c'est pas vrai. Mais vraiment, c'est à Angers. C'est notre belle ville. Venez faire un petit tour dans le parc. On peut y aller? Je crois qu'ils arrivent. Ils arrivent, les gars. Ok, non, faut aller par là. Faut aller par là. Éteins la lumière à partir de maintenant. Gros, éteins ta lumière. Moi je pense qu'on fait un premier tour mais genre mollo, t'es sans trop chercher et on va directement vers les jeux pour en trouver parce qu'ils sont forcément là-bas. Ouais, ça me paraît pas mal. Qu'est-ce qu'on monte dans là? On monte dans là. Attends. Putain, comment on éteint? Moi j'ai vraiment l'impression d'être dans un parc Astérix. Tu vas te faire copier. Attends. Juste deux secondes, c'est fini mec. Attends. La chaîne est clôturée. Ils arrivent. Ouais, ils arrivent, ils sont de l'autre côté là-bas. Ah, ils arrivent pas. En vrai, là on est bien. Oh ouais, putain. J'ai entendu parler. J'ai entendu d'un mec juste là qui... Ouais. Oh merde. Il nous a vu. Au cours. Il nous a vu. Vas-y. Oh putain. Ouais, ils sont derrière ce truc. J'en vois un qui passe en courant là-bas. Voilà, ils sont... Ils viennent de passer... T'inquiète, je sais par où ils vont. Par où ils ont fait le tour? T'es touché? Putain, ça c'est beau. Hein. C'est qui? Jérémy. Le gars était en boule derrière un arbre. Sauf que de mon côté, bah, il était juste en boule. Il n'y avait pas d'arbre. Attends. Attends, mais ça s'active, je suis sûr. Je suis sûr, les mecs de Terra Botanica, ils nous trollent. Ils activent des pièges pendant qu'on cherche. Vas-y, je te laisse l'honneur de le faire. Vas-y, ça c'est vrai? Vas-y, fais-le. Mince! Ouais, c'est pas... Par contre, ton pote, il s'est barré. Moi, je vais rien dire. Il était avec toi ou pas? Je vais rien dire. Ok, c'est bien. Moi, j'aime bien ça, l'esprit d'équipe chez Unicorn. Mais pas pendant qu'on fait des cache-cache. Vous pouvez vous trahir, hein. Il n'y aura pas de problème. Mais quoi, la clé, tu peux trahir? À la clé, tu as un sweet Unicorn. Mais un bon, hein. Thibaut qui le fait? Ouais, c'est Thibaut qui le fait. Genre, il fait ça. Il fait ça en heure sup. Mais ils en ont trouvé plusieurs, il y a plein de lumières. Mais je pense qu'ils ont dû en trouver vers là. Donc, si on va à leur cachette à eux, ouais, ils nous trouveront peut-être pas. Oh, faut faire gaffe parce qu'ils m'ont réveillé là sur la gauche. Quentin, t'es où? Quentin, il est parti. Putain, je me suis pété la gueule. Genre, je peux plus remonter. L'homme descend du singe, mon cul, ouais. Valentin! Ouais, ils ont marché sur la trace, mec. Mais attends, j'ai entendu un mec dans le coin là.
Oh putain, ils arrivent. Regarde, regarde, regarde le lapin garenne là-bas. Il y en a qui ont marché ici. Ouais. J'ai entendu du bruit là-bas. Il y a des lampes. Attends. Baisse tes lampes. Oh, mais non, de toute façon, il y a Diane qui nous filme alors. Lampe baissée ou pas. Allez, je tente un rush. Là-dedans, il y a des gens. Ça galope depuis tout à l'heure là-bas. Tiens, tiens, c'est sûr. Mais ça, c'est mouillé ou pas? Est-ce qu'on peut passer là-dessus? Oh putain, non! Quoi, c'est de la boue. Je vais me mettre dans ce petit coin et je vais m'allonger. Et je vais plus bouger pendant une heure. J'ai perdu Néoxy. Je vais faire le top 1, je veux faire le top 1. Oh putain, il me voit là. Je sais pas où je suis. Ça craint. Si tu vois ce message, maman, je me fais attaquer par des moustiques. Il y a un truc là, je sais pas ce que c'est. C'est le dernier message que je vous envoie. Allez tous vous faire foutre. A plus tard. Ciao. Je suis clairement tombé dans l'eau. Je suis caché dans un buisson. C'est la misère, je sais pas combien il en reste. Je suis accroupi et je commence à avoir envie de faire pipi. Mais pas très bon. Oh, désolé, vous avez un buisson sur vous. Une fougère même. Je dirais, mais dégage la fougère, je suis en train de faire ma vidéo. Je coupe. A plus tard. Oh putain, il est où? Attends, mais c'est une blague. Il y a un mec qui fait du chien au-dessus de moi là. Putain, il y a des bruits chelous. Putain, mais il y a une fourmilière. Ah merde, mais ma lampe, elle est phosphorescente. Ça veut dire que plus je la laisse allumer, plus elle tombe. Mais attends, mais il est où? Il y a un mec qui me chie dessus depuis tout à l'heure. Mais attends, où est-ce qu'il est? Oh putain. Tiens, tiens, tiens. Juste pour le plaisir. Et Nico s'est fait attraper, mais je me suis refoutu dans un fossé, entre un décor et le bambou. En vrai, je suis grave les épaules, je suis plutôt bien. Putain, faut que je réussisse à appuyer sur le truc du dinosaure là. Attends, on va faire le tour par le chemin là. Et l'arme, elle est vraiment lourde. J'en veux plus. Voilà, ça va chier là. Premier que je vois, je dégomme. Je cherche même pas. Si ça arrive un mec du stade de Terra Botanica, je le mitraille. Ouais, mais bon, le gars aussi, il passe devant. C'est là. Ils font les malins, mec. Ils... Putain, je c'est pas si. Vous pouvez pas faire ça. Ok, c'est bon, je les ai. Attends, il y en a qui vient de lâcher le pet de l'espace là. Tu sais, l'enfoiré qui a pété. Ah, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Rejoins-nous. Il y en a un que j'ai entendu péter quoi. Ok, je le vois. Voilà. Putain, où il est le deuxième? Attends, j'ai touché les deux là. Il y a combien? Aïe. Attends, oui. J'en ai eu deux, Valentin. Dans l'arbre, il y en a un qui s'est trahi en lâchant son plus gros paix. Mais attends, mais Quentin, il est où là? Il manque Quentin et Neto là. Et Lucas. Mais Neto, il est plein. Oh, le fumier. Je vous mens pas, en vrai, je suis blasé pour regarder. Là, je suis allongé tranquille contre un dossier. Puis hop, je suis allongé, jambes croisées, au calme. On est bien. On est bien. Quand tu m'as traqué, je me suis dépêché, je suis allé là, je suis tombé dans l'eau. Bon, j'ai peut-être une chaussure mouillée, quoi, bon. Neto! C'est pas un chien! Viens là, mon Neto! Oh! Qui fait ça? Qui fait ce bruit là? Quentin! Près de là! Quentin! Près de là! Quentin! Près de là! Oh, il y a une putain d'araignée! Non! Si! Fais souffle, la migale! Si, regarde! Oh! Ah, elle est sale! Ça se trouve, t'en as sur toi, un peu! Ah, plein de ta gueule! Eh, ça va. Ah ouais, eh, comment elle est? Mais c'est un crabe! Eh, tu dors? Eh, c'est bon, tu te sens bien? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est... Attends, là on se croit vraiment dans Jurassic Park. Non mais attends, frère. Oh, oh putain, même les oiseaux s'y mettent. C'est quoi? Attends, ça c'est une map de Call of en zombie, hein, genre comme... Je m'ennuie, je commence à avoir une crampe. Cela va faire maintenant 4 jours que je suis dans la jungle. Je n'ai plus à manger, je n'ai plus à boire. J'étais obligé de boire mon urine. Je me suis jamais senti aussi vivant. Tout est limpide et clair comme l'eau de roche. Terminé. Allez, go. Ok les mecs, on a qu'un arbre, mon pauvre. Jour 6. Ils ne m'ont toujours pas trouvé. Je n'ai plus aucune réserve d'eau. Et je crois que je suis dans un nid de T-Rex. Les gars, tout au fond. Il est... Ouais, ouais, je vois, je vois, je vois. Quelqu'un prend par la gauche, prend par le milieu, quelqu'un à droite. Et on... Et vous voyez, vous tabassez en fait, il n'y a même plus de règles.
C'est octogone maintenant. Ouais, ouais, là. Ah, dis donc, il y a un petit truc qui brille là. Ouais, ouais, tourne-toi, t'as raison. Qu'est-ce que c'est que ça là? Vas-y, chope-le. Tu l'as? Non. Comment ça? C'était pas lui. Attends, il y avait quelqu'un là. Jour 9, toujours pareil, aucune nouvelle. C'est quoi ce bruit? Il y a un bruit chelou devant moi depuis tout à l'heure. C'est quoi ce bruit? Eh, la prod, il y a un bruit bizarre devant moi. Et dans le sable, il n'y en avait pas un. Eh, ça fait quoi si je le mets dans mon œil? Hein? On va faire le cri du dindon. Je vais vous bousiller les oreilles, désolé. Pousse-toi, fougère, là. Ah, j'ai plus de balle, il est là. Attends. Ouais, il y a une chaussure, là, où c'est moi? On est où, ça? Mais what the fuck, mais quoi? Je t'ai touché. Ma casse-fesse. Oh, comment t'es sorti? On aurait dit un rabon laveur, mais... Ah, j'ai flippé. Je suis le dernier ou quoi? Non, il reste Netto et Quentin, là. Jour 9, je suis actuellement dans la faune et la flore. J'ai mal, je sens plus mes jambes et je crois que je suis assis sur une plante qui s'apparenterait à du houx, très piquante. Il me reste un poil de batterie, de quoi tenir peut-être encore 2 jours. Oh l'erreur. C'est sûr qu'il est là-bas, mec, c'est sûr qu'il est dans le coin. Dans un buisson vers le sable. Eh, Netto! Allez, Netto, on arrête, on sait que t'es là. Eh, le bruit du vent, là, il me fait vraiment flipper. Oh, j'en ai ras le cul, là, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Mais qu'est-ce qu'ils foutent, bon Dieu? Ah, y'a un pied, là. Salut. Où ça? Je suis venu là comme ça. Dormir les gens, là, quand même. Eh, vous en avez mis du temps, quand même. Attends, il reste plus que Quentin, là. Jour 10, je commence à vraiment en avoir ras le cul. J'espère qu'ils vont se manier, parce que ça commence à être long. Je sais pas si je pourrais tenir 15 jours. Quentin, c'est Lucas, on ne poucave pas. Vous êtes sûr? Ouais, ouais, t'inquiète, c'est bon. T'es trop fort, vas-y, on ne poucave pas. Toi, gars, j'ai trop marre. J'ai mal partout. Je crois que je suis assis sur une plante qui pique. Attends, par contre, je lis le panneau et là, c'est marqué qu'il y a des serpents là-dedans. Mais il y a des putains d'araignées, il y a des bestioles, mon gars, mais t'imagines même pas. Attends, mais on te voit zéro, ils vont jamais te voir. Ah putain, il y a mon téléphone qui sonne. Allez, je vais faire ce style de cherche ailleurs. Ouais. On fait un coup de dinosaure pour t'aider, on se casse. Alors? Bah, reste en ligne, faut que je te parle d'un truc, mec. Ah, tu vas m'entendre, tu vas gueuler, puis on va... Non. Par contre, pourquoi t'as marché sur le dinosaure? Je vous attends de pied ferme, mais dépêchez-vous de me trouver, parce que j'en ai ras le cul. Ah, vous avez entendu le dinosaure? C'est pas nous. Quentin, tu aurais un indice? On arrive, Quentin, on arrive. Ils m'ont pas vu. Il y a un pied. Où ça? Là. Oh, ça bouge. Ça bouge dans les feuilles. Sors de là. C'est vraiment un raton laveur, quoi. Le truc, il sort de son trou. On a 15 jours dans la jungle, j'en fais. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la vidéo. Encore un merci à Terra Botanica, un merci à Unicorn, un merci à tous les gens qui sont venus. Il y a leur Insta dans la description. Allez les suivre, s'il vous plaît, ça vous coûte rien. C'est un petit follow, c'est gratuit. Encore une fois, c'est une vidéo qui nous a coûté de l'argent. On dirait pas comme ça, mais on avait, je crois, une dizaine de GoPro. Enfin, on avait une dizaine de micros. Enfin, bref, c'est du budget. Il n'y a pas eu de placement de produit. Donc, la seule façon de me remercier, eh bien, c'est de vous abonner à ma chaîne, de suivre la vidéo, de liker cette vidéo, de la commenter et d'aller suivre tous les gens qui ont participé et d'aller voir aussi le site de Terra Botanica. Je parle beaucoup, mais il y a plein de trucs à faire. Description, salut, à bientôt, au revoir, abonne-toi. Je m'emmène dans la forêt. Tu m'entends encore là? Ouais, je suis dans la forêt.